mal. Et avant, j'avais une petite amie, mais je l'ai quittée lorsqu'elle a commencé à utiliser des mots affectifs qui correspondaient à ma réalité. Et elle m'appelait bébé. Mais ça sonnait tellement vrai que ça me gênait. Contrairement à vous, moi j'ai un avantage. Quand il y a des dangers en général, on dit les enfants et les femmes d'abord. Alors, je profite. Et aussi quand ma femme a accouché pour le trousseau, on a juste utilisé mes vieux habits. À la naissance de mon bébé, je vous assure, je n'ai même pas pu le porter. Mais on avait le même poids. Souvent, ma femme me confond au bébé. Un jour, je me réveille, je suis garni de couches. J'appelle, chérie Coco, viens ici. Oui, chérie Mayombo, tu m'as appelé. Je dis effectivement. Je dis, regarde sur moi, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, il y a la couche. Je dis, dorénavant, si tu oses encore me confondre à mon bébé, je t'assure que je te virerai de cette maison. Et depuis, hein, elle a une stratégie pour me différencier du bébé. Elle regarde juste la taille des deux sexes. Oui. C'est un avantage pour moi d'avoir cette taille. Au moins, le jour du mariage, c'est ma femme qui devra me porter. Souvent, il arrive de battre ma femme. Oui, ça, moi, je m'énerve très mal. Je lui dis, baisse-toi, baisse-toi. Elle se met toujours à rire, je ne sais pas pourquoi. Elle doit être mazo. Et un jour, les collègues de ma femme sont arrivés et ils ont toqué à la porte de la maison. Et quand j'ouvre, il y a un imbécile qui me fait, bonjour, maman est là? Moi, ma petite amie, elle est grande, oui. Mais la différence, c'est qu'elle est belle. Oui, ma mère, ma femme est belle. Par contre, vous, vous êtes très, très belle. Je sais, vous étiez déjà fâchés. Mais j'ai même envie de dire que vous me plaisez. Mais je ne suis pas l'idéal d'une femme. Parce que les femmes, aujourd'hui, veulent des mecs grands, beau et fort. Je n'ai jamais vu une femme dire je veux un mec nain, moche et faible. Tous ceux qui acceptent de coucher avec moi, c'est juste par curiosité. Et remarquez-le. Ah oui. Ah, vous voyez, c'est comme les retombées, hein? Et donc, c'est comme ça. Et il y a tellement de préjugés sur nous. Un jour, j'arrive en pharmacie, je demande des préservatifs. Et là, il y a une dame qui me dit, les préservatifs de petite taille sont terminés. Je lui ai dit, madame, qu'est-ce que vous en savez? Et comme vous savez, les femmes sont curieuses. Elles disent, waouh, ah bon? Alors, passe le soir, on va vérifier tout ça. Mais je vous assure qu'à l'heure actuelle où je vous parle, elle est hospitalisée au CHU d'Auvergne. C'était Mayombo, authentique et lumière.